tous et à toutes. Je vous souhaite la bienvenue dans ma crypte où je vous propose de soulever les pierres sépulcrales pour découvrir les mystères et légendes de la nuit. Alors préparez-vous un café bien serré, blottissez-vous contre votre doudou préféré et découvrez avec moi les histoires lugubres de bien sombres personnages. Fin des années 60 dans l'ouest des États-Unis. Un tueur en série sème la terreur pendant près d'un an et demi parmi la population de la région de San Francisco en Californie, revendiquant ses meurtres dans la presse et signant ses lettres d'un symbole étrange. Celui qui se fait appeler le Zodiac choisit principalement pour victime de jeunes couples lotis dans leur voiture à la tombée de la nuit dans un endroit retiré. Mais il s'attaque aussi à un chauffeur de taxi, ou tente d'enlever une jeune femme et son bébé. En s'amusant à narguer la police et en s'adressant directement aux médias, le tueur du Zodiac a indéniablement soigné sa légende et gagné sa place dans les chroniques des grandes énigmes criminelles de l'histoire. La fin des années 60 est une époque troublée aux États-Unis. Avril 1968 voit l'assassinat de Martin Luther King. Et si le 21 juillet 1969, le premier homme marche sur la Lune, le mouvement hippie montre une opposition farouche à la guerre du Vietnam, revendiquée au festival de Woodstock. Comme par de nombreuses grèves et manifestations à travers tout le pays. À la même époque, l'État de Californie, surnommé le Golden State, vit une expansion commerciale et industrielle sans précédent. Devenu depuis quelques années l'État le plus peuplé du pays, il attire autant par le développement de l'industrie du cinéma que par celui d'un système d'éducation publique très efficace qui attire les jeunes étudiants. La ville de San Francisco, mondialement célèbre pour le Golden Gate, ou l'ancienne prison d'Alcatraz, profite de cette révolution industrielle, en particulier grâce à l'implantation de la Silicon Valley, au sud de la ville, qui donne une image dynamique et moderne de cette région de la Californie. C'est dans ce contexte que les habitants de San Francisco et de ses alentours vont découvrir avec horreur les assassinats gratuits d'un terrifiant tueur en série. Dans les premiers jours des vacances de Noël 1968, un jeune couple de Vallejo est retrouvé tué par balle dans leur voiture à la croisée des chemins menant au lac Herman. Celui qui se fera appeler dans une de ses lettres à la presse, le Zodiac, a commencé sa terrible traque et va sévir pendant plus d'un an. Ce sera en effet le premier meurtre d'une sinistre série et le début d'une enquête qui, malgré les dépositions des survivants et des témoins, les lettres reçues par la presse ou les portraits robots, n'est toujours pas résolue à ce jour. Les terribles crimes du tueur du Zodiac, qui ne sera jamais appréhendé, et l'étrange symbole dont il signe ses lettres forgeront la légende noire de ce mystérieux meurtrier. On attribue au tueur du Zodiac les meurtres de 5 personnes, 2 tentatives de meurtre et un enlèvement. Mais l'auteur présumé de ces crimes revendiquera dans ses lettres pas moins de 37 meurtres. David Faraday était un beau jeune homme typiquement américain de 17 ans. Bon élève, scout dévoué et attentif aux autres, il sortait avec la jeune Betty Lou Jensen, 16 ans, artiste talentueuse et étudiante très populaire. Le soir du 20 décembre 1968, après avoir affirmé aux parents de la jeune fille qu'il se rendait à un concert de Noël puis à une fête avec d'autres adolescents, promettant de rentrer avant minuit, David et Betty Lou s'arrêtèrent en fait dans un coin isolé, bien connu des amoureux de la région, à proximité du lac Herman, sur la route reliant Benicia et Vallejo, au nord de San Francisco.
Les conducteurs qui passaient à proximité ce soir-là ont remarqué la présence du break rambler de David. Et si personne ne sait exactement ce qui s'est passé, les preuves ont révélé que les deux adolescents avaient été victimes d'une violente attaque. La porte passager de la voiture était ouverte. Une balle avait pénétré le toit du véhicule et une autre balle avait traversé une vitre arrière. 10 douilles de pistolets semi-automatiques de calibre 22 ont été trouvées tout autour de la scène du crime. Le corps de David a été retrouvé au sol près de la roue arrière du côté passager. Il avait été atteint d'une balle dans le crâne, derrière l'oreille gauche. Le corps de Betty Lou a été retrouvé plus loin du break, ce qui indique qu'elle a tenté de s'enfuir. Mais le tueur lui a tiré 5 fois dans le dos. Lorsque les policiers arrivent sur les lieux du crime, Betty est déjà morte. Mais David respire encore. Incapable de s'exprimer, il décède lui aussi peu avant d'arriver à l'hôpital. De l'argent ayant été retrouvé près de la voiture, les enquêteurs excluent le mobile du vol, mais ne parviennent pas à résoudre cette affaire, qui n'est que très peu relayée dans la presse locale. Darlene Ferrin, 22 ans, mariée et mère d'une petite fille, travaillait comme serveuse dans un restaurant et entretenait une relation adultère avec Michael Majot, 19 ans, un célibataire travaillant comme ouvrier. Le 4 juillet 1969, jour de l'Independence Day, la fête nationale américaine, Darlene et Michael, dont la relation amoureuse doit évidemment rester secrète, se rendent sur le parking du golf de Blue Rock Springs, à quelques kilomètres du lac Herman. C'est grâce au témoignage de Michael, qui a miraculeusement survécu à l'agression, que nous pouvons retracer ce qui s'est passé ce soir-là. D'après lui, vers minuit, une Ford Mustang ou une Chevrolet beige se gare tout près d'eux quelques minutes, tout feu éteint, avant de repartir à grande vitesse vers Valero. Environ 5 minutes plus tard, la même voiture revient, phare allumé, et se stationne derrière les amoureux, les illuminant de ses phares. Un homme sort et marche vers eux en les éblouissant avec une lampe. Michael Majot, qui pense avoir affaire à un policier, entreprend de chercher sa carte d'identité. C'est alors que l'homme se met à tirer. Michael est touché en premier, au niveau de la mâchoire et au torse. En le traversant, des balles touchent aussi Darlene. Michael arrive à se glisser à l'arrière de la voiture alors que le tireur s'en prend à la jeune femme. Assise derrière le volant, elle est touchée au bras et dans le dos. Le tueur repart vers sa voiture, mais en entendant Michael gémir, il fait demi-tour et tire à nouveau sur le couple, avant de s'enfuir, pensant avoir parfaitement accompli son forfait. Mais c'était sans compter sur la volonté de vivre de Michael, qui a l'idée d'allumer les feux de détresse de la voiture, interpellant un voisin du golf qui appelle la police. Darlene meurt des suites de ses blessures dans l'ambulance qui la transporte à l'hôpital. Mais Michael s'en sort et fait la toute première description du tueur. Un homme blanc, assez jeune, de taille moyenne, environ 1m75, plutôt costaud dans les 90 kg, et avec un visage large et les cheveux bruns. Mais à peine quelques dizaines de minutes plus tard, vers minuit 40, la police de Valero reçoit un coup de téléphone d'une cabine publique. C'est la voix d'un homme qui parle de façon mécanique. « Je veux signaler un double meurtre. Si vous allez à 1,5 km à l'est de Columbus Parkway, vers le parc public, vous trouverez des gosses dans une voiture marron. Ils ont été abattus avec un Luger 9 mm. J'ai aussi tué les gosses de l'année dernière. Au revoir. » Après vérification, il se trouve que la cabine en question se situait à proximité du bureau du shérif. Cette volonté de s'ingérer dans l'enquête va être l'une des signatures du Zodiac. Jusqu'alors, personne ne faisait le lien entre les deux homicides. Et pour le Zodiac, les enquêteurs mettaient trop de temps à identifier son activité de serial killer et à relier les différents meurtres. Le mystérieux tueur voulait manifestement faire connaître son œuvre. Brian Hartnell, 20 ans, et Cecilia Shepard, 22 ans, tous deux étudiants, profitent de leur après-midi de libre en ce samedi 27 septembre 1969, pour aller pique-niquer en amoureux au bord du lac Berryessa, près de la ville de Napa, au nord de San Francisco.
comme dans l'agression précédente, la jeune femme succombera à ses blessures alors que Brian Hartnell survivra à l'attaque du tueur et expliquera ce qui s'est passé cette soirée-là. D'après son témoignage, Cecilia remarqua un homme qui s'approchait d'eux, portant une cagoule, des lunettes et le symbole de la mire caractéristique du zodiaque sur ses vêtements. Et menaçant d'un pistolet, l'homme affirme s'être évadé de prison et avoir besoin d'argent et d'une voiture pour fuir vers le Mexique. Brian lui donne immédiatement son portefeuille et ses clés de voiture, mais cela ne semble pas suffire à l'individu, qui demande à Cecilia d'attacher son petit ami. Il attache ensuite la jeune femme et resserre les liens de son compagnon. Les deux jeunes gens sont alors poignardés à de multiples reprises. 6 coups de couteau dans le dos pour Brian et 10 dans le dos et l'abdomen pour Cecilia. Après son terrible forfait, l'homme se dirige vers la voiture, sur la portière de laquelle il grave le symbole de la mire et les dates de ses agressions. Après plusieurs minutes, un pêcheur à proximité entend le couple crier et alerte les gardes du parc. Au moment où les secours arrivent, Cecilia et Brian ont réussi à détacher leurs liens, mais cela a pris près d'une heure à l'ambulance pour arriver, et les deux victimes sont alors dans un état critique. Ils parviennent cependant à donner une description du tueur. Un peu plus d'une heure après l'attaque, le département de police de Napa reçoit un appel d'un homme revendiquant la responsabilité du double meurtre. L'appel est rapidement retracé et conduit les enquêteurs à une cabine téléphonique du centre-ville de Napa, sur laquelle ils relèvent des empreintes digitales. On retrouve également sur les lieux du crime des empreintes de chaussures Wingwalker de taille 44. Mais malgré les indices, les secours et les témoignages des deux jeunes gens, le tueur n'est toujours pas appréhendé. Et 2 jours plus tard, Cecilia Shepard succombe à ses blessures. Le dernier crime attribué avec certitude au tueur du Zodiac est assez différent des précédentes agressions. Le 11 octobre 1969, le meurtrier qui semblait s'attaquer jusqu'alors à de jeunes couples dans des lieux isolés s'en prend à un chauffeur de taxi de San Francisco dans un lieu public et en présence de témoins. Paul Stein, 29 ans, était marié et travaillait comme chauffeur de taxi pour payer ses études. D'après son compteur, le 11 octobre 1969, vers 22h, Stein fut hélé par un client à l'angle des rues Mason et Geary, à destination du coin de Washington et Maple Street. Mais le taxi fut retrouvé à un pâté de maison de sa destination, à l'angle des rues de Washington et Geary, le pauvre Paul Stein tué d'une balle dans la tête. Pendant l'agression, des adolescents qui se trouvaient dans un appartement de l'autre côté de la rue aperçurent le tueur et appelèrent la police. Une véritable scène d'horreur attendait les policiers. Le chauffeur de taxi était étendu sur le siège passager, la tête tournée vers le sol, le bras accroché à la portière ouverte. Du sang coulait abondamment de sa tête. Il avait reçu une balle dans la tempe droite, à bout portant. Sa chemise tachée de sang avait été déchirée et un énorme morceau manquait. Après que le corps a été enlevé, les policiers remarquent également que les clés du taxi sont manquantes, tout comme le portefeuille de la victime. Les enquêteurs interrogent alors les adolescents témoins du crime, qui expliquent avoir vu le tueur assis sur le siège passager, le corps du chauffeur de taxi sur ses genoux, fouillant dans ses poches et coupant apparemment le morceau de chemise ensanglanté. Puis il sortit, essuya la portière du passager avec un chiffon et fit de même du côté du conducteur. Il se dirigea ensuite tranquillement vers Cherry Street. C'est alors que, pris de panique, les jeunes gens avaient appelé la police. Le témoignage des adolescents permit d'ailleurs d'établir un portrait robot ressemblant à celui qu'avait fait Michael Majot. Un homme blanc, dans la quarantaine, portant des vêtements foncés et des lunettes. Mais l'enquêteur chargé de prendre leur déposition diffusa par erreur le signalement d'un homme noir, ce qui explique que l'assassin, probablement contrôlé brièvement par les policiers, n'ait pas été arrêté. Malgré les précautions du tueur, des empreintes digitales, potentiellement celles du suspect, ont également été récupérées sur le véhicule. Mais encore une fois, malgré les témoins et les indices laissés par le tueur, celui-ci reste introuvable, précisant avec morgue dans une de ses lettres que les policiers l'avaient interrogé quelques minutes pour savoir s'il avait vu un homme s'enfuir. Ce qui n'est pas forcément vrai,
mais contribue encore à narguer la police et à forger sa légende. On considère que le dernier méfait du Zodiac serait la tentative d'enlèvement d'une jeune femme et de son bébé. Le 22 mars 1970, Kathleen Jones roulait avec sa petite fille Jennifer sur l'autoroute 132 à l'ouest de Modesto. Un conducteur se mit alors à klaxonner et à lui faire des appels de phare, puis remonta à sa hauteur pour lui dire qu'une de ses roues était en train de vaciller. Kathleen se gara et l'homme se proposa pour resserrer la roue. Mais lorsque Kathleen voulut repartir, la roue lâcha. Le prétendu bon samaritain lui proposa alors de la conduire à une station-service. La première station qu'ils rencontrèrent était fermée, ils poursuivirent donc leur route. À la station suivante, l'homme ne s'arrêta pas et donna une explication vague à Kathleen Jones, avant de la menacer. Effrayée par cette attitude étrange, la jeune femme profita d'un arrêt à un stop pour s'enfuir avec sa petite fille dans les champs. Après les avoir cherchés pendant environ 5 minutes, l'homme repartit. Kathleen Jones réussit ensuite à se rendre au poste de police de Patterson et identifia son ravisseur comme étant le Zodiac à partir du portrait robot. Lorsque la police retrouva sa voiture, celle-ci avait été brûlée. Bien sûr, on soupçonne le Zodiac d'être l'auteur de nombreuses autres agressions, la police continuant à recevoir des lettres et ce qui pourrait être les preuves d'autres meurtres durant plusieurs mois. Mais les enquêteurs soupçonnent rapidement des imitateurs, se faisant passer pour le terrible meurtrier. Son nom, c'est le tueur lui-même qui se l'est attribué en signant de nombreuses lettres où il revendique ses meurtres, qu'il adresse simultanément à la police et aux grands journaux de la côte ouest, et qui commence toujours par « This is the Zodiac speaking ». C'est le Zodiac qui vous parle. Parfois, il ajoute des codes en langage chiffré, faits de signes d'inspiration kabbalistique, y compris 4 cryptogrammes, dont 2, qui n'ont à ce jour toujours pas été déchiffrés. Les lettres sont également signées d'un symbole ressemblant à une croix celtique ou à la mire de visée d'un fusil de précision, un symbole également gravé avec la pointe d'un couteau sur une portière de la voiture d'une des victimes. En juillet 1969, il envoya notamment un cryptogramme en 3 parties composé de 408 symboles à 3 journaux californiens, le Valero Time Herald, le San Francisco Examiner et le San Francisco Chronicle. Selon le tueur, ces cryptogrammes dévoileraient son nom et il exige la publication de sa lettre et du code en première page, menaçant à défaut de se livrer à 12 meurtres le week-end suivant. Finalement, le San Francisco Examiner publie la lettre et une partie du pictogramme à la page 4, le 31 juillet 1969. Le code fut cassé en moins d'une semaine par un professeur de lycée et sa femme, et malgré ses déclarations, le tueur n'y révèle pas son identité. La solution fut soumise au département de police de Vallejo, vérifiée par une unité de cryptologie, et publiée le 9 août, par le San Francisco Chronicle et le Valero Times Herald. Voici le début du message. Cher rédacteur en chef, je suis l'assassin des 2 adolescents à Noël dernier au lac Herman et de la fille le 4 juillet dernier. Pour prouver cela, je vais énoncer quelques faits que seuls moi et la police connaissons. Et s'en suivent les descriptions des attaques. Le cryptogramme qui accompagnait la lettre est l'un des 2 cryptogrammes du Zodiac à avoir pu être déchiffré, même si les dernières lettres qui le composent restent encore mystérieuses. J'aime tuer des gens, parce que c'est tellement plus amusant que de chasser dans la forêt, parce que l'homme est l'animal le plus dangereux de tous. Tuer quelque chose me donne l'expérience la plus excitante. C'est encore meilleur que de se faire une fille. La meilleure partie est que lorsque je mourrai, je renaîtrai au paradis. Tous ceux que j'ai tués deviendront mes esclaves. Je ne vous donnerai pas mon nom, parce que vous essayeriez de me ralentir, ou de m'empêcher de collecter des esclaves pour ma vie après la mort. Le 7 août 1969, le San Francisco Examiner reçoit une nouvelle lettre dans laquelle le tueur se désigne pour la première fois sous le nom de Zodiac, et fournit de nombreux détails concernant les meurtres de David Faraday, Betty Lou Jensen et Darlene Ferrin.
13 octobre, le San Francisco Chronicle reçoit une lettre glaçante contenant comme preuve du meurtre un morceau de la chemise ensanglantée de Paul Stein. Zodiac menace alors de s'en prendre à des autobus scolaires. L'adresse de retour était le symbole de la cible. C'est le Zodiac qui vous parle. Je suis l'assassin du chauffeur de taxi sur Washington et Maple Street la nuit dernière. Pour le prouver, voilà un morceau de la chemise taché de sang. Je suis le même homme qui s'est fait les gens dans le nord de la baie. La police de San Francisco aurait pu m'attraper la nuit dernière, s'ils avaient cherché correctement dans le parc. Les enfants des écoles font de belles cibles. Je pense que je vais éliminer un bus d'écoliers un de ces matins, tirer dans un pneu avant et choisir les gamins qui sortiraient. Les années passent, et en 1978, une 16e et dernière lettre attribuée au Zodiac fut envoyée à la police, rappelant que le tueur était toujours en liberté et que jamais il ne serait arrêté. L'auteur de la lettre précisait également qu'il souhaitait qu'un film sur sa vie soit réalisé, confirmant sa supériorité sur la police et le plaisir malsain d'avoir construit sa propre légende morbide, sentiment d'orgueil répandu chez la plupart des serial killers. Plus récemment, en décembre 2020, plus de 51 ans après avoir été élaboré par le mystérieux tueur du Zodiac, un deuxième message a été déchiffré par deux passionnés d'informatique et un mathématicien. Mais le code, composé de 340 signes, ne contient malheureusement pas le moindre nom. J'espère que vous vous amusez beaucoup à essayer de me rattraper. Ce n'était pas moi dans l'émission télé. Ce qui m'amène à parler d'une chose me concernant. Je n'ai pas peur de la chambre à gaz, car elle m'enverra plutôt au paradis. Car j'ai maintenant assez d'esclaves pour travailler pour moi, alors que tous les autres n'ont rien quand ils arrivent au paradis. C'est pour ça qu'ils ont peur de la mort. Je n'ai pas peur, car je sais que ma nouvelle vie sera facile au paradis. La vie, c'est la mort. Le tueur du Zodiac a ainsi sévi dans le nord de la Californie entre 1968 et 1969. Mais il est plus largement soupçonné d'avoir commis près de 200 meurtres entre 1966 et 1978. Durant sa longue carrière assassine, il ne s'écartera d'ailleurs guère de plus de 200 km autour de San Francisco, ce qui rend les insuccès policiers concernant sa traque et son identification d'autant plus difficilement compréhensible. Contrairement aux autres tueurs en série, le Zodiac n'a jamais vraiment utilisé la même méthode pour assassiner ses victimes, poignardées ou abattues. Au fil des meurtres, il prend plus d'assurance, opérant sans complexe à visage découvert, et la police réalise même des portraits robots à partir de témoignages directs de personnes ayant échappé de peu à la mort. Mais malgré la précision et la concordance des différents portraits, et si plusieurs personnes ont effectivement été soupçonnées, aucun coupable convaincant ne sera jamais mis à disposition de la justice. Le principal suspect est un certain Arthur Leight Allen, formellement identifié par Michael Majot, rescapé d'une des attaques, lorsque la police de Vallejo lui montre une série de photos de suspects dans l'affaire du Zodiac. Les inspecteurs voulurent une confrontation entre les deux hommes, mais Allen décéda peu avant qu'elle ait pu avoir lieu. Il aurait fait des aveux à l'un de ses proches qui le dénonça, ce qui conduisit les enquêteurs à s'intéresser à lui. Il nia tout, mais se vantait auprès de ses amis d'être suspect dans cette affaire. Et fait troublant, il possédait une montre de la marque suisse Zodiac, dont le logo était un rond barré d'une croix. Cependant, même si Arthur Leight Allen semble être le coupable idéal, les enquêteurs ne découvrirent aucune preuve crédible pour l'incriminer. Plus de 2500 suspects seront en fait interrogés au cours des décennies, sans succès. En avril 2004, la police de San Francisco décide de clôturer l'affaire, bien que l'identité du tueur demeure toujours inconnue et qu'il n'existe pas de loi de prescription pour les meurtres. Mais l'affaire reste ouverte dans le comté de Napa et à Vallejo. La légende du tueur du Zodiac a malheureusement inspiré un autre déséquilibré au début des années 90 à New York. Imitateur ou copycat,
y abat plusieurs personnes entre 1990 et 1993 et nargue les autorités et les médias, suivant la méthode de son célèbre modèle, semant la panique lorsqu'il annonce son intention de tuer 12 personnes en ciblant ses victimes selon leur signe astrologique. Mais contrairement aux tueurs des années 60, les autorités ont pu identifier le Zodiac de New York comme étant Heriberto Seda, dit Eddie, qui s'était mis à tuer après avoir regardé une édition spéciale de la chaîne PBS sur le Zodiac. Il sera inculpé de 3 meurtres et de multiples agressions et condamné à 152 ans de prison. À ce jour, la police n'a toujours pas résolu les affaires criminelles liées ou présumées liées aux tueurs du Zodiac de San Francisco. Malgré d'énormes moyens et des enquêteurs foncièrement déterminés à le retrouver, personne ne parvint jamais à identifier cet assassin qui abattait ses victimes, choisies au hasard, sans autre motif apparent que de les voir mourir et de se vanter de ses meurtres. Aujourd'hui, l'identité du Zodiac fait toujours l'objet de débats enflammés et il reste considéré comme l'un des tueurs les plus énigmatiques de l'histoire du crime. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et vous dis à très bientôt pour découvrir de nouvelles histoires lugubres des personnages et créatures de la nuit.